Voilà, c'est bon, tu peux leur dire tout ce que tu as à leur dire. Bonjour tout tube, bienvenue sur la Parzifrank Production dans les fables de Sea of Seas. T'en étais où? J'en sais rien. Au secours. Comment tu veux que je sache où est-ce que j'en étais? Bah... La dernière fois, j'avais des amis, et maintenant je sais plus trop quoi, je sais plus trop où j'en suis quoi. C'est ton problème, Jack. Mais ouais, d'accord, mais me demande pas où j'en suis alors du coup. Bah si, pour qu'on suive toi tes fables, que moi je prenne pas la mienne et que tout le monde soit perdu. Ah non, on parle des fables, on parle pas de notre amitié, d'accord, ok, d'accord, super. On parlera pas de YouTube du coup que tu m'as trahi comme ça lamentablement. YouTube n'a pas à savoir ce genre de choses. Ouais, pourtant la France a le droit de savoir, hein, je pense. Ton degré de trahison là, comme ça, c'est pas beau, Zinedine. Hein. Bon allez, Jack, là, vas-y, viens. Je sais plus, on avait fait la combien là. Ouais, bah attends, je charge mes poches là, je vais des trucs, tu peux demander à YouTube. Hein. YouTube, témoigne s'il te plaît. Ah, ça, on est pas sur Twitch. Des bisous, YouTube. Voilà. Alors j'ai fait la première, ça c'est sûr. On a fait la deuxième, ouais. Je pense aussi. Oui. Le truc sous la mer, on l'a fait, le naufrage du Pearl. Oui. On l'a fait. Le capitaine des damnés. Le souvenir des aventures passées recèle peut-être la clé pour sauver l'avenir des deux mondes. Ça, on l'a pas fait. Enfin, moi, je l'ai pas fait. Toi, tu l'as déjà fait. Mais ouais. Du coup, moi, j'ai celle-là qui est verrouillée, là, et il veut pas la faire, ce bâtard. Ouais. Moi, j'ai tout déverrouillé en jouant solo. Ah bah ouais, et puis après, ça dit que ça m'attend. Hein. Bon, il croit vraiment que moi j'ai pu le trahir. Super. Voilà. Tu tires mon amitié en haute estime à ce que je vois. Tu penses que je peux te trahir moi. Ok. Ah oui, c'est vrai, il y a Maître Gims, il va nous donner quelque chose. Il chante fort. Et en plus, il a pas ses lunettes. Oui, il est là, putain, il est là, trop bien. I have been telling Mr. Gibbs that the sea or the damned is a place shit, but the lives of those who live there. The cursed captain, he not know it, but the town where him spent eternity is drawn from him own last past. And that's what's got us thinking. If we can follow footprints to find the boots what's made them, we can use a man's life to find the man. Now I've sailed with Jack Sparrow longer most, so I've more than a few tales of his past misdeeds tucked away in me old mazard. Our lives are threads in a tapestry. They loop and they tangle. The stories Mr. Gibbs tell helps me tease out the golden thread of Jack's path as it winds through the sea of the damned. Now it falls to you. To follow it. But as to Jack's precise location, we're still at a bit of a loss. You'll need this back for the best chance of finding him. Et la boussole de ce bon vieux Jack. Ice. Regarde, la boussole de ce bon vieux Jack. Elle est trop belle, hein. Et donc là, faut suivre la boussole. C'est tout? Ils ont fini de causer, maintenant ils vont juste faire des trucs bizarres avec des crânes. Before you go, there's plenty about Jack's life that's strange. Allez, viens. Peculiar or downright inconceivable. So I've scrawled down all that I can in these here notes. You'd best take them for the journey. Ah. I'd tag along, but if I try to leave without making reparations to the lass Lorena, who gave us food and lodging,
Not even the Sea of the Damned will hide me. Best of luck, team. We're all counting on you to bring Jack home. À première vue, il a noté des trucs sur un livre. Ou quelque part. Ah bah, fable du fibucier reçu. Ah tu vois. Le mec il voulait déjà partir, il y avait encore plein de trucs à faire. Finalement un peu comme notre amitié quoi, elle est partie quoi. Parce que t'as décidé de t'en aller. T'es méchant Jack. YouTube est témoin en fait. T'es mon drame de jeu de YouTube. C'est pas bien de prendre YouTube. Des gens en partie qui ont rien à voir dans l'histoire. Waouh, comment ça ils ont rien à faire dans l'histoire. Bon t'es où Jack? Ils sont témoins qu'ils ont pas eu de vidéo depuis très très longtemps. Que si, ils sont à faire dans l'histoire quoi. Ils font partie intégrante de l'histoire du monde. Bah j'y suis pour rien moi si tu as des JDR que t'es pas là au moment où je le... Waouh, c'est ta faute aussi, tu fais pas JDR aussi avec nous et tout. Tu fais ton fantôme et d'un seul coup là t'apparais parce que t'as vu du rhum là. Comme un vieux lâche. Non, c'est le fond qui m'a appelé. Il a entendu l'appel du Kraken. Ouais. Alors j'arrive, mais j'ai chargé mes poches. Hein. Il faut se dire que c'est ça de gagner. Ouais, le mec, il a tellement gagné de la thune, il a des coques incroyables et tout. Oh là là, il a un fric sans fin. Oh là là, comment il a bien farmé avec ses petits amis là. Vraiment. Hein. T'as fini de faire ta jalouse. Ouais, mais j'ai le droit. Il m'a trahi pour un mec juste plus mince en fait, c'est tout quoi. Juste il est plus mince quoi. Mais mon amour pour toi est inébranlable. Ouais, j'ai bien compris que tu me branlais plus, hein. J'ai bien compris. Hein. J'ai bien compris que je pouvais faire ça moi-même maintenant. À l'aide. Non, à ampoule. C'est quoi? Hein, j'ai un pistolet. Pourquoi j'ai un pistolet? Pas demandé un pistolet, moi d'habitude j'ai un Fuji. Un Fuji Toyama. Rends-moi un Fuji. Ça. Ah non, ça a l'air stylé quand même ça. Ouais, ça a l'air stylé. Non, il me faut un truc. Ah ben non, il me faut celui-là, évidemment. Et... Ah oui, mais ils m'ont remis le couteau de base aussi. Ah non, mais ils m'ont remis tout le stuff tout pourrave là. Mets-moi le couteau du mercenaire, voilà. Ah, tu verrais. Franchement, tu verrais ta tête. T'as pas une tête de pirate. Hein. Ah bah moi là, j'ai une bonne tête normalement là. Là, on va montrer ça à ton tube, mais je crois que ton tube, ils ont vu ma tête d'avant. Montrer, voilà. Quoi? Il s'est passé quoi? Il y a eu un accident, là? Ah oui, non, c'est pas du tout pour ça que j'ai signé, au secours! Au secours! Ton tube, au secours. Je t'ai prévenu, hein. Est-ce que je suis borne, moi, de base? Je sais même plus. Ah, on vient de dépop. Bon bah, YouTube, ouais. Tu vas regarder du skinage, hein, désolé. J'espère que Pardy aura la politesse de vous faire une audio description de ce qui se passe. Ah! Parce qu'avec moi, ils vont rien voir. J'ai un perroquet spectral. Ah, même les loots sont random, putain, même les sauts et tout, tout est devenu. Oh là là! Tout est aux fraises et aux cambouis. Alors, rends-moi une bonne barbe. Alors, je sais plus ce que j'avais comme barbe exactement. Sache. Bon. C'était pas celle-là. Ça doit être à peu près la merde que je me traîne là. Coupe de cheveux, ça devait ressembler à pas grand-chose, je crois. Vu que je porte pas de chapeau pour l'instant, ça le fera. Non, ça non. Ça non. Il se passe des choses. De me faire interrompre dans mon skinage. Ah, les morts ne parlent pas. Mais c'est toujours le même début. Ah oui, on retourne dans le monde des morts. C'est bizarre. Plus on a pas déjà fait cette quête, t'es sûr? Tous les deux, non. Ah. D'accord. J'ai eu 6 balles. Ah, mais non. Il se rend même pas compte, quoi. Je ne me rends même pas compte des douleurs infinies. C'était même pas comme la dernière fois quand au moins, certes tu mettais pas de vaseline, mais au moins tu me le faisais encore quoi. Plus maintenant quoi.
Ah bah voilà, tu ressembles déjà un peu plus à quelque chose. Presque. Le titre du pêcheur, là. Je veux un titre de garde la pêche. Les titres de poissonnier. Des gens de pirates, non, mais ça c'est nul. Marin. Mais marin pêcheur, en fait, c'est ce qu'on veut. Genre de malédiction, non, ça n'intéresse personne. Ouais, voilà. Champion du poisson. Voilà, champion du poisson. Y'a pas genre des champions du poisson, je suis sûr légendaire de poisson trophée. Capitaine du Killer Whale. Qu'est-ce que c'est? Peut-être un autre gros poisson. Bon, on va prendre ça. Les tatouages, sauf erreur de ma part, c'était les pistolets. Je crois que c'est dans le début, si les amis par ordre d'achat. Ah. Diandre. Non, diantre. Ah. Diantre. Et hop dans le trou. Tac. Ah oui, oh là. Qu'est-ce qui se passe? Bah c'est juste qu'on a le vent dans le dos et je sais pas si t'as vu mais c'est pas vraiment étroit là. Enfin c'est pas vraiment très large pardon. Pourtant quand je l'ai vu elle était bien large hein. Ah bah là du coup un petit a eu froid. Ah, où je me mets des tatouages de poissonniste. C'est rigolo ça aussi. Allez, des tatouages de poissonniste, on change un peu. Voilà. Très bien. Coffre d'équipement, ouais, si on s'en fout, on gardera du random. Du coup, j'aurais besoin de toi à la boussole ou tu conduis et je fais la boussole. Je tente de réavoir l'air d'un véritable pirate et pas juste d'un touriste. Range-moi cette chemise. Vas-y, on s'en fout, t'es un touriste pendant... Il te voit pas de façon tout tube. Y a mais que si qui te ton voit. Tube, il voit là, il juge. Il voit tout. Et il juge si fort. Je sais même plus ce que je trimballais comme putain là la dernière fois. Je crois que je te rends bien. Ouais. On se souvient plus. Dans ton tube, t'aurais pu me donner l'idée au moins. Ah, oh, ton tube, à quoi tu sers? Secours. Tu l'as la petite musique? Ouais. Parce que j'ai pas une bonne veste virilus à mettre là-dessus. Ouf. Oh ouais, mais dans ce cas, faut qu'on change de ceinture. Si on se met un truc virilus, moi je veux bien. Hein. Mais faut qu'on parte sur des vraies ceintures, quoi. Pourquoi pas? Allez. On l'a jamais mise. Waouh! Couleur de mon slip, rouge évidemment. Pourquoi ça t'amuse? Mon slip il est très bien. Est-ce que je me remets un chapeau? Non. Non, YouTube a dit que trop de chapeaux ça suffit quoi. Trop de chapeaux, tu les chapeaux. Ouais, c'est ça. Hein. J'ai bien l'impression. Par contre, il y a un truc qui me manque là-dedans. Ma malédiction, s'il vous plaît. Ah, déjà les balafres. Toutes les balafres du monde. Un petit maquillage qui va bien, du plus bel effet évidemment. On aime avoir un swag de poulpe. Toujours. Ouais. Non, on va garder le noir dégueulasse que je porte. Voilà. Et voilà. Et on est pas mal. Et attitude. On a des trucs. D'accord. Ok. Oui, on a des trucs. J'arrive. Oh mais même mon perroquet ils l'ont mis à poil, mais putain c'est incroyable. Alors qu'il a des plumes, mais ce jeu de con. Bon. Ça te plaît? Alors j'arrête. Vas-y. C'est comme... T'es bien parisien. Wow.
d'Ixit, le paysan Picard, qui a voulu prendre plus 10 en condescendance. Juste pour augmenter sa stade de revenus, quoi. C'est juste cette semaine que je suis à plus 10 en stade de condescendance. Et c'est pas la cabane de la sorcière. On doit... Ah oui, il faut que je te tienne la boussole. Quête. Ça. Ça tourne, hein, pour l'instant. Hein. Ouais. Alors ça sera sur la droite, visiblement. Du coup, je sais plus si on débarque là ou pas. Non, ça a l'air d'être encore devant, monsieur. Genre, ça a l'air d'être quand tu verras peut-être le rocher à droite du rocher, puis à gauche, on voit des petits feux, c'est peut-être par là. Je vais consulter aussi le livre de les chroniques du capitaine Jacques Sparrow. Des exploits, des aventures et le cœur de l'homme. Un journal rédigé par Joshamé Gibbs, maître Gibbs. Comment on tourne les pages dans le jeu comme ça? Ce journal relate les plus chers souvenirs que moi, Joshamé Gibbs, gardé des meilleures années passées à vivre la vie de pirate aux côtés de l'homme le plus libre de l'océan. Jacques Sparrow est une personne unique. Il passe son temps à élaborer des plans, à mentir et à comploter, et pourtant c'est le pirate le plus honnête que j'ai jamais rencontré. Dès qu'il entre dans une pièce, on sait exactement ce qu'il veut. La seule chose qu'on ignore, c'est de quelle façon il compte l'obtenir. Avec un pont sous ses bottes et des voiles gonflées au-dessus de la tête, il n'y a nulle part au monde où Jack ne puisse pas aller. Jusqu'à aujourd'hui. Si Jack doit faire confiance à ceux qui naviguent sur ses eaux, il lui faudra plus que mes paroles. C'est pourquoi c'est à vous de le trouver et de lui montrer que Sea of Thieves est un monde fait pour lui. Ces récits de courage le prouveront. Le Black Pearl, donc le plus fidèle compagnon de Jack, est le navire le plus rapide de l'océan. Il conduit le capitaine d'un bout à l'autre de l'horizon, et puis depuis sa prime jeunesse. Le Pearl a enduré bien des épreuves et a été perdu, englouti, puis retrouvé. C'est un bon navire. D'accord. Tortuga, une ville fondée sur les notions de liberté et de fête, un paradis pirate tant qu'on peut supporter l'odeur. Jack s'y fait de bons amis, mais aussi de terribles ennemis. L'attaque sur Isla Tesoro, un port rempli de trésors et une foule de loups de mer qui foncent le revendiquer. Un résumé de la vie de pirate. Jack a profité de l'avidité des pirates, se faufilant entre eux pour s'emparer de ce qu'il désirait. Isla de Muerta, Hector Barbossa, de loin le meilleur personnage des films, hein, a trahi Jack et a volé le Pearl pour partir à la recherche d'un ancien trésor. Il fut frappé de la malédiction de la vie éternelle, bien qu'il soit difficile de vraiment appeler ça vivre. Le destin réserve ses plus terribles colères aux âmes les plus cupides. Au coffre du trépassé, Jack s'est mis en quête du cœur de Davy Jones, à qui il doit une dette de sang. Détruire le cœur le libérerait de la dette, lui offrant la liberté de naviguer à sa guise. Tia Dalma, une dame étrange, ça ne fait aucun doute, mais une alliée puissante. Elle a aidé Jack plus de fois que je ne peux le compter. Lorsque la dette de sang de Jack dut être payée à Davy Jones, nous remontâmes à la rivière en quête de la sagesse de la vieille amie. Calypso est la mère. Elle fut enchaînée par des pirates cherchant à la dompter, et lorsqu'elle fut libérée, sa fureur manqua de tous nous anéantir. La cour de l'ombre, un conseil de pirates convoqué par une chanson dont les membres possèdent chacun une des 9 pièces de 8. L'ancienne cour fut trompée, et c'est la Calypso sur les conseils de l'un de ses membres, Davy Jones. La fontaine de Jouvence, vivre éternellement, c'est cela la véritable liberté, du moins c'est ce que pensait le capitaine jusqu'à qu'il découvre un moyen d'y parvenir. Il vaut mieux ne pas savoir quel moment sera votre dernier, me dit-il. Le trident de Poséidon, autrefois utilisé pour contrôler les mers et les créatures qui y vivent, sa destruction libéra de nombreux pirates de leur malédiction. Les habitants de nos mers ne sont pas comme ceux de Sea of Thieves. Mystérieux, souvent incompris et parfois dangereux, l'histoire n'a pas été tendre avec eux, ce qui les rend extrêmement méfiants à l'égard des étrangers. Le trésor de Jack, une babiole imprégnée d'une magie capricieuse.
d'une sorte que je n'avais encore jamais vue. Si Jones est en possession de ses trésors, c'est mauvais pour Sea of Thieves. L'absence de liberté. Avec le temps, quand on mène une vie comme celle de Jack, on finit nécessairement par tomber sur des gens qui tentent d'inscrire des frontières sur les cartes. Mais avec les bonnes informations de la vivacité d'esprit et de l'aide de ses amis, on peut se tirer d'affaire et changer la donne. Parfois, Jack se faisait même prendre volontairement, que ce soit pour entendre les rumeurs, montrer qu'il valait mieux qu'une piètre prime, ou juste prouver qu'il était capable de s'échapper. La vie de pirate, sa soif de nouveaux horizons, a mené Jack sur bien des chemins, certains bons, d'autres mauvais, et parfois tout à fait singuliers. Mais tenez-vous le pour dit, aussi étroit que devienne son monde, et aussi pauvre soit-il, vous ne rencontrerez jamais une âme plus libre. Il a vécu une vie de pirate, voire deux, c'est certain. Si quelqu'un peut arrêter David Jones et donner sa chance à Sea of Thieves de survivre, c'est le capitaine Jack Séparou. On doit juste le trouver. Si vous êtes dos au mur, servez-vous de la boussole du capitaine pour vous guider vers votre prochaine destination. Tant que vous aurez à cœur de retrouver Jack Séparou, l'aiguille vous indiquera le chemin à suivre. Voici, c'était pour la petite lecture. D'ailleurs, prends ta boussole, camarade. Ouais, j'ai ma boussole. Elle est d'accord pour dire que c'est à droite. Elle a l'air de dire que c'est toi, Jack Sparrow. Elle est cassée, la boussole. je cours. Je me raccroche à la vie. T'as récupéré une flamme rigolote ? Non, j'ai essayé la pauvre. Déception. Des fragments du passé. Chour, chour les boulets, chour. Et des boulets magiques, chour tout. Tiens, faut que tu viennes. Faut venir sur le battle. J'arrive, je chour tout, j'arrive. Eh ouais, mais il y avait des boulets magiques, hein. Parce que quand on va sortir de là, t'as peut-être oublié, mais on va se taper un Kraken, un Mégalodon, 4 Russes énervés. Le mec, il rigole, mais il a peut-être oublié que c'était nous qui jouons, quoi. Et cette fois-ci, y'a pas d'elle, hein, pour attendrir le jeu, hein. Y'a nous deux, hein. Le jeu, il aura aucune pitié, hein. J'avoue. Tenir la lanterne pour allumer. Ah. Feu de lame découvert. Alors, par contre, lui mangeait un petit poisson, et toi tu manges une mangue. Pour reprendre ta boussole. Pour reprendre la boussole, ou il y a d'autres choses à voir dans ce bateau pourri? Non, non, genre, faut reprendre la boussole. Oh, il y a masse boulet de canon. J'espère que t'as pris masse boulet de canon. Bah, je suis full. Trop bien. Non, ça, on va pas vraiment s'en servir. Ça, c'est ce que tu dis, toi. Hein. Moi, je sais que dès qu'on va sortir d'ici, des Russes, des Mégalodons, une légion de Kraken. Mais pourquoi t'es aussi pessimiste que ça, là? Ou réaliste. Ah, je suis coincé. Et t'as trouvé la sorcière ou pas? Ouais, c'est, tu reviens sur tes pas, hein, tu suis les... Comment on appelle ça? La boussole. L'aiguille. Je suis coincé, tu peux me brûler s'il te plaît, tue-moi. Quoi? Mais non, tu t'accroupis, tu sautes, normalement tu bouges. Et tu peux pas t'accroupir dans le jeu. Est-ce que tu peux t'accroupir dans le jeu? T'as juste pas bind la touche. Il est en train de chercher comme un débilus. Mais il n'y a pas la touche accroupir. Je sais. C'était du trollage. Non, j'essaye de sortir en force. J'essaye de sortir en forçant, mais il veut pas. Mais j'ai si. Glitch. Oh, alors, attends. Hey. Est-ce que t'as bougé? Non. Pas très coopératif, mec.
Lance-moi un boulet de canon dessus carrément, je vais peut-être voler comme ça. Ça tue pas. Non, non, mais ouais. Juste pour voler. Bah normalement la grenade aurait dû te faire voler. Bah non, justement, le canon c'est plus puissant. Ouais, mais enfin, normalement la grenade c'est censé te faire décoller du sol. Là si t'es en fusion avec le sol, ça changera pas grand chose. Allez, prends un boulet de canon, là, tire-moi dessus, on essaye. Mais je peux même pas te tirer dessus de là où t'es, là. Ouais, ça tirera au-dessus de ta tête tout le temps. Ah, tu pousses le bateau? Non, je vais te remettre une grue et puis on verra bien. Bon, bah t'as pas bougé d'un millimètre, hein. Bon, il te reste combien de pèves, là? Je suis dans le rouge. Bon, bah, un incendiaire et le problème est réglé. Peut-être deux. C'est bon pour vous. Vous avez vu tout tube. Tu vois, t'es mort. Il tue son coéquipier. Et maintenant, je suis un gros bâtard, je viens, je te ressuscite et t'es encore coincé sur place. Bah non, regarde, il m'a mis directement ici, tu vois, je suis même pas passé par l'âme des derniers. Ah bah, joué, GG. Bon, ton boulot là. Je pense que t'as oublié de déposer tes munitions déjà. Je garde les poches pleines. Ah, il veut toujours pas que... Que tu passes? Bah non. Ah putain, bâtard. Ah ouais, on doit aller là. Vas-y, je te laisse faire. Normalement, il y a un truc à allumer. Il y a une clé à trouver. Moi ça je l'ai pas fait, c'est mais normalement ça on l'ouvre. Ah, il y a une clé quelque part. Il y a des gens en bas. Ouais, il y a des gens en bas, je sais. Ah, qu'il y a une clef. Ah, je peux allumer sa bougie à la madame. J'ai mis la bougie de la madame. Il y en a deux que tu peux allumer, je crois. Là. Non, toi tu veux pas que j'allume. Et y'a toi. Y'a quelqu'un? Pas se décaler, hein. Bah yes. Ça fait peur. Le bateau se barre tout seul. Non, non, j'ai mis l'ancre. Ça a l'air d'être tout droit. Ah, oh, qu'est-ce que c'est rapide à lever. Quel plaisir, hein. À mort. Ça sera pas à gauche, là. Je pense que l'île droit devant elle paraît bien. Ouais, ça a l'air d'être ça. On a l'air de pouvoir s'amarrer à gauche de celle-ci. Pouette, 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 pouette. Qu'est-ce qu'on galope?
est là-dedans. Il est là. Alors, ça a l'air d'être franchement ça. Hein. Je veux pas faire le mec qui a raison, mais je pense que j'ai raison. Normalement, il y a même un petit ponton là. Ah ouais, regarde, je fonce dessus. Peut-être que je te rentre une voile, quoi. Ouais. Et puis lâcher une encre aussi, hein. Au moins comme ça, je fais un petit drift. Ah, tu lâches pas l'encre. Ah. Non, c'est bon, ça passe large en fait. Hein. Là, je trouve que tu paniquais beaucoup. Du coup, je t'ai filé un coup de main. Mais... J'avais oublié que j'étais le seul professionnel à bord de ce navire en fait. Il a même pas vidé ses poches, il est déjà en train de run. Ouais. Je te déteste. Bah, moi aussi je t'aime. Mais on craint rien ici, frérot, arrête de paniquer. De quoi? Je panique pas, j'ai allumé un squelette, je voulais voir s'il se passait quelque chose. C'est tout. Boss, pas que j'ai découvert des trucs et des machins. Alors j'ai trouvé un squelette noyé. Ouais. Ah ok. C'est au fond de la cuve où toi t'es tombé. En fait, on pouvait accéder à la cuve comme un nul, mais on pouvait aussi y accéder comme un champion. Moi j'ai choisi d'y accéder comme un champion. Regarde, viens, suis-moi. Attends. Derrière toi. Il y a un truc là. Là, le livre. La mer m'appelle, je l'entends même à l'intérieur des murs de cette prison. Elle me parle de nouveaux horizons et d'aventures à partager. Mais alors que je patiente dans la file, attendant de rencontrer mon sort fatidique, il ne me reste qu'à fermer les yeux et rêver de la mer. Car ce lever de soleil sera mon dernier, et plus jamais je ne poserai les yeux sur elle. Faut replonger, c'est ça ? Ouais. Et en gros, quand tu plonges, remonte un peu. Mm-hmm. Tu viens là sur derrière toi. Oui, mais c'est par là que je suis arrivé, monsieur. Ah, ok, bah oui, mais c'est normal. Mais normalement, tu dois faire chemin inverse. Une fois que tu arrives là, ici. Pas forcément, si c'était ouvert. Hop, tu montes. Tu viens ouvrir la première porte qu'il y a ici. Mais elle était déjà ouverte, monsieur, en fait. Ah, oui, je l'ai ouverte. Ensuite, tu viens là tout droit. Ah. Et tu ouvres celle-là. Et là maintenant tu fais du speedrun. Comment ça je fais du speedrun? Du parcours. Ouais, si on veut. Il y a d'autres livres à lire. T'as pu déverrouiller une cellule ou pas? Bah justement, j'y cours la camarade. Hop.
Ah oui, d'accord, ok, faut sauter sur le petit bitougne, ok. En même temps, pourquoi je te laisserais pas sauter comme un singe et moi attendre comme un être civilisé? Bah au moins comme ça, ils voient le parcours, quoi. Alors, ils voient, ça ne se porte pas. Tiens, tu prendras celui de droite quand t'arrives. En vrai, celui que je... Bah tant pis. J'ai pas compris. Ah, bah je prends celui de gauche. Bah mais du coup ça fait que je dois te monter. Bon bah je me débrouillerai. Ouais, je prends celui de droite. Ouais. Je suis dans celui de gauche. C'est insupportable. Non, il doit tuer. Attends, est-ce qu'il y a pas des portes qu'on peut crocheter? Parce que t'avais un crochet, c'est ça? T'as trouvé un crochet? Non, non, là justement, c'est. Voilà, c'est par là. Et. T'es en train de passer par où? Faut passer quand, sur les poutres. Quand t'as. Non, en gros, c'est une fois que t'es monté, faut aller sur la droite. Faut contourner le château, en gros, t'es sur, un peu sur les remparts décalés. Tu veux que j'aille sur le rempart ou sur la poutre? Faut aller sur le rempart, sur la gauche. Attends, j'arrive, est-ce que moi je suis tombé? Parce que si tu tombes, t'es obligé de refaire tout le parcours à l'envers. Enfin, tout le parcours, quoi. Que c'est bon, j'ai. Ça déverrouille pas, ça. Que je suis sur le rempart. Hop, hop. Cállense! T'as sauté les deux petits... Les deux cageux, ouais. Les deux cagistes, oui. Ok, t'es là. Ah ouais, bon, là, il me semble que c'est... non, c'est à droite. Tac. T'es sûr, là? Ouais, ouais. Là, faut sauter ici. Oh, j'ai raté. J'ai genre juste pas sauté. Tout le monde a entendu ma barre d'espace, mais mon personnage a refusé de sauter. Excellent. C'est plaisir. Bon, ça me laisse le temps de... De m'occuper de mon côté. Ah, on reconnaît les glitchers. Hein. On reconnaît surtout les lâcheurs, quoi. L'autre côté. Je suis sûr que par là, on peut gruger un truc, non? Avec leurs planches, poutres, là, non? Bon. Ah peut-être, franchement, j'ai pas essayé. Ouais, bah, tant pis, on n'essaiera pas. Non, tu peux pas. Ah quoique, si tu passes par là. Non, même pas, t'arrives en dessous. Donc si mon bonhomme voulait bien sauter... Là voilà. Purée, casse les bonbons, je dois recommencer. Bon bah écoute, hein, tu m'excuseras, hein, j'avance. Hein. Évidemment. T'as déjà fait cette quête, mais... t'as pas besoin de moi. T'as pas besoin de toi. Oh la lanterne, let's go. Je fais un truc utile. T'as réussi à sauter? Ah mais moi je suis en haut, j'allumais le phare, tout ça. Hein. Quoi? Et là j'ai retrouvé Barbossa. J'ai retrouvé Jack Sparrow, c'est bon, je le ramène à la maison. C'est parti. Let's go. Il a reçu. C'est rien passé. Il a reçu. C'est rien passé. Hein? Ah, ça continue. Je vais le connaître par cœur, quoi. Alors, par contre, moi je veux bien. Ah oui, ça y est, je vois. I can see dead people. Normalement, je crois que t'en as 4 à allumer des feux. Peut-être même plus, qui sait. Mais là, tout seul, ça va être un peu compliqué. Hein. Pardon? Vous disiez? Excusez-moi, tu disais? Allô? Je cours, je vole, j'arrive! Tu disais? Ça va être, okay. Tout seul, ça va être compliqué. Ah bon? Attends, je les entends s'allumer un par un. Désolé du retard, j'arrive. C'est intéressant.
C'était extrêmement compliqué. Pour regarder sur YouTube, c'est vraiment, j'ai réglé ma lentille et après j'ai juste tourné avec une roue, si j'ai rien fait d'autre. Ouais, j'ai vachement eu besoin de toi, merci. T'étais aussi utile que le rat du navire. Voilà. C'est bon. J'ai pas de meilleur compliment en fait. Et sinon, c'est bien, j'ai éclairé des trucs et c'était génial. Alors, on a eu mal à son soi parisien là ? Hein ? Hein ? On a son parisien au fond de soi qui a souffert ? Non, je vois pas de quoi tu parles. Genre, juste une chute de co. Parce que t'as exactement une connexion de paysan que tu le vis mal ? Ouais, carrément, ouais. Ouais, ça va être ça. Et sinon, à quoi ça sert ? J'ai allumé des tas de trucs là. Rends-toi plus utile que le rat du navire là. Si c'est rien passé, c'est que t'en as peut-être oublié. Hein. Bah, j'ai 1, 2, 3, 4 bougies devant moi et 1, 2, 3, 4 bougies sont allumées. Dans la brumasse, je vois pas d'autres torches. Ah, ce truc là, j'avais déjà oublié ce gameplay. Bon bah, j'ai trouvé le gameplay. Voilà. Faut se déplacer du coup. Voilà. Je vais quand même pas me faire douiller, je vais quand même aller jusqu'ici. Non ! Il y a encore un truc à faire. Parce que si tu prends ta boussole, en fait, ta boussole t'indique la roue. Mm-hmm. Et non pas le roue. Oui, où ? Tu peux plus ? Si, si, je regardais juste si sur le bâtiment de là où j'étais, je voyais quelque chose. Une. Deux. Ah voilà, il y a manqué une. Cinquième. Je suis pas fou. Dans ce cas, il n'y en avait pas quatre, il y en avait cinq. Ah oui, c'est la petite une là. D'accord. Ah oui, en plus c'est réparti comme pour les rochers. Ah bah super. Ah bah c'est juste que tu m'avais dit 4, moi j'ai vu 4 bougies. J'ai été trahi encore. Ouais. Par contre, je viens de sauter alors qu'il y avait peut-être pas besoin. Ah, parce que là d'en haut tu loupes une belle bataille. Il me semble. Ouais, c'est ça. Touchez pas à mon bateau. Et à côté, notre bateau, il est petit. C'est pas la taille qui compte. Non. Sinon, ta meuf, elle t'aurait marqué depuis longtemps. T'as qu'à la gorge. Toi, ça va pas le faire, hein. Plaît-il ? T'es déjà sur le bazar ? Non, j'attends, regarde. Mon bateau ! Mon Batal, c'est le plus beau de tous les Batals. Je trouve grave stylé leur effet de quand les boulets traversent les spectres, que ça détruit tout et ça se reforme. Je trouve si stylé cet effet. Hein. C'est trop beau. Et juste après, ils retirent quoi. Je
suis bon. Cassé les chevilles. Y'a rien d'autre à faire ici. T'as ouvert la porte de cellule d'en bas là? Yo, allô. Est-ce que tu peux revenir au... Est-ce que tu peux revenir sur la grande place? La grande place où mec. Il y a un mystère qu'on n'a pas résolu. Je pense. Voilà. Lui, il a un livre comme l'autre en plus, avec le même symbole que le type qu'on avait lu en bas. Donc je me demande si on n'est pas censé y accéder. En sachant que, quand j'ai allumé, parce que toi tu n'étais pas là, j'ai pu allumer ce bras zéro, ça allumait les deux bras zéro qui étaient au fond dans la cellule. Donc, si tu veux, voilà, moi ça me met un peu le guac. Ça me perturbe un peu. Ah mais ça y est, j'ai trouvé. T'as trouvé ou pas? As-tu trouvé? Ah tu crois que... Ouais c'est bon, j'ai vu. As-tu vu ma belle quenouille? Ouais ouais. T'y es donc? Bah ouais. Voilà, c'est bon. Et on a accès au livre. J'ai navigué pendant bien des années, mais je n'ai jamais connu la véritable cruauté avant de pénétrer en ces murs. Les soldats espagnols distribuent des punitions à leur bon plaisir. J'ai vu des hommes fouettés pour un regard mal placé, et mon propre sort avait été scellé pour avoir tenté d'épargner une raclée à un gamin d'à peine 10 ans. J'accepte tout ce qu'ils pourront me faire, sachant que j'ai acheté sa liberté de ma vie. Tant qu'il navigue libre sur les mers, je ne mourrai pas. Voilà. Juste un bout de l'or. Et donc, il n'y avait que deux livres à trouver? Je m'étonne. Quoi? Mais, c'était cassé le cul par des fantômes? Mais, ils sont mal polis. Mais, c'était courtois. Il y avait du pognon quand même. Ah, c'est pour ça qu'ils nous ont mis de la bouffe à disposition. Ok, on est censé se bagarrer. C'est pour ça qu'il y a de la bouffe. Ouais. Et normalement je crois qu'on va tomber sur un capitaine. Et là je meurs. Non, tu restes là. Encore fantôme là. Ah, t'es là. Ah, hop. Tramé. Ouais, tiens. Tu te bats contre quoi là? On se bat contre des spectres. Non mais toi tu te bats contre quoi? Parce que j'en vois aucun. Hein. Bah normal, je les éclate avant que t'arrives. Ah, d'accord. Du coup je me trouve un caillou, je m'assois, je regarde, c'est ça? Peut-être pas jusque là mais Aïe! Laisse-moi me régène s'il te plaît, fais pas le con. Ok merci. Aïe! Derrière. Je l'ai tué. Merci. Ah, je t'en prie. Continue à me divertir, vas-y. Et nous va divertir YouTube dans ta pensée. Mais y a un peu de baume au cœur. Ah, Black Dog Brewer. Alors déjà, j'ai pris une balle tête. Ça commence comme ça. Puis un coup de main. Vas-y, moi, dans je, la m'occupe base des, de... je m'occupe des sbires. Parce que le capitaine il va faire que les sbires en fait. Ils ont l'air de s'occuper de moi aussi donc Mais t'es où? Moi? Non le capitaine il... Ah, bah il est sur la carte. Ah.
Ah, j'ai pris un coup de latte dans l'épaule, je l'ai senti. Ouais, il frappe fort. Hein. Oh, mais il est là. Bonjour. Je n'ai même pas fait gaffe qu'il était ici. Boussole. Il dit qu'on a encore un truc à faire ici. Non, c'est bon. Mario, non, on peut se tirer. Hop, hop. Capitaine des souvenirs. Il me semble qu'il faut qu'on passe à travers les flambeaux là-bas. Ouais, c'est ça, c'est au beau milieu. Ouais. Envie de te dire, c'est tout droit. Basiquement, j'ai envie de te dire, monsieur, voyez-vous. Merde, mais c'est pourquoi j'avance pas? Parce que tu es statique. Parce que tu m'as demandé une encre à un moment donné. Ouais, t'arrives après la guerre. Tu vois, je me disais, attends, c'est bizarre, j'ai descendu la grand voile, on a le vent dans le dos. J'avance pas, c'est bizarre. C'est toujours tout droit. Non, ah, t'inquiète, je vise. Là, une fois que t'auras passé les deux rochers, c'est toujours tout droit. voilà. Alors là, tu vois le grand rocher à gauche, là, un peu élancé. Ben, tu l'ignores, c'est toujours tout droit. Là où tu vois les deux flammes, il faut viser au milieu. Voilà. Et ce sera toujours tout droit juste après. Voilà. Tu vois toujours tout droit? Bah, c'est toujours tout droit. Ah, il faudrait tourner légèrement à droite. Et redresser quasi immédiatement. Ouh, ça y est, c'est le sboule. Ça change. Il va falloir tourner légèrement à droite vers la caverne, monsieur. Voyez-vous la grotte? Vous voyez le bateau qui se dirige vers la grotte? Comme un grand signe pour quelqu'un qui n'aurait pas vu la grotte? Je suis pas droit ou c'est toi qui est pas droit? C'était moi qui étais pas droit. Très bien. Maintenant, figurez-vous que je suis droit. Moment de paix et de tranquillité du jeu. C'est incroyable, hein? Un jeu moderne qui t'autorise de perdre du temps. Parce que bon, c'est quasiment un jeu triple or, hein, Sea of Thieves. Qui te dit, tu vas glander. C'est beau, c'est incroyable, hein? Cascade à droite. Certes, en effet.
Mais en vrai, pas tant que ça. Je trouve qu'ils ont niqué un peu les textures de, du caillou que ça traverse. Les effets sont assez basiques. Il y en a des plus sympas. Hein. On trouve Active Zavan et tout. Je suis un peu... Attends, il y en a une autre là qui arrive un peu plus loin. Là, les soins portés au graphisme sont un peu plus légers. Les reflets de l'eau sur les murs des cavernes sont évidemment cool. Évidemment. Carrément, les petits reflets tout de la mer. Est-ce que... Ah oui, t'es devant. Bon, ça fait hors de ma part, mon jeu, normalement, il est en haute qualité. Et, j'ai l'impression que les cascades sont pas folles, quoi. Alors que je vois le grain des murs, le grain des murs est cool, quoi. Enfin, il est propre. Texture est là. Hop. Ah, et puis le retour des petites gouttelettes là, il est un peu mal fait quand même. Les éclaboussures là. Oui, c'est ça. Là, vu qu'on passe vraiment à côté. Alors qu'on est d'accord, t'es comme moi, t'as ton jeu en ultra méga HD quoi. Bah ouais. Ah, c'est. Les cascades sont assez pétées pour le coup. Alors les oiseaux sont bien faits, les cailloux sont bien faits là, les rochers là. Et leurs textures sont bien faites. Mm-hmm. Après, c'est parce que peut-être qu'elles n'ont pas chargé correctement. Mais ouais, sinon. Surrender, Captain Jack Sparrow, or by thunder we'll burn the city to the ground. Ah, boussole. Bah, il va falloir continuer, et à mon avis, il va falloir que tu accostes sur le quai qui sera juste après le caillou qui est devant. Tu me diras si tu veux que je te la rentre, la voile. Ouais, avec plaisir. Par là. Un peu de traction. Vas-y. Gouvernail droit. Parfait. Allez, let's go. Tu ressors pas un peu? Bon, je t'ai donné un peu d'impulsion là. Ah bon, non, mais c'est pas grave. Non, si tu acceptes la médiocrité, au moins ça me va. Chercher Knarfant, il est en train de faire les poubelles. Mais non, mais super quoi. Moi j'essaie de remettre quelques planches là vite fait dans le navire parce qu'en vrai on est en loose là. Dès qu'on va sortir de là, hein, s'il y a un Ruskov qui traîne en milieu de map, hein, c'est terminé. Hein. Le mec n'a aucun sens du professionnel Rix. Je fais une petite tournée vite fait, on en parle plus. D'accord YouTube, tu peux donner ton avis. Hein. Ou te désabonner. Ça compte aussi comme un avis. Ça veut dire que je fais. Je mène bien ma barque. C'est joli hein par contre. Hein. J'ai envie de marcher. Donc en fait. Du coup je vais tout donner à Captain Jack Sparrow tout seul comme un grand, c'est ça? Et les gens sur la place. Oh c'est la scène de. Elle est à Disney cette scène. Non, si. Ouais. Parisien. Ouais, pardon. elle est d'accord, c'est une scène de. Ils ont même remis le son et la voix. Ok, ils ont remis le son et la voix. Donc ouais, c'est un gros clin d'œil. Évidemment, incroyable. Ils ont remis la zik et tout. Okay. Hey, derrière toi. De quoi derrière moi? Bah derrière toi.
Qu'est-ce que c'est ? T'as trouvé ça où ? J'ai trouvé ça ici, là. Ah, sur le robot ? Mm-hmm. Ah, intéressant. Donc on a peut-être une porte à ouvrir. Là, dans le coin, on loose. La porte du marchand, c'est ça ? Non, peut-être là, la porte d'ici, là. Non, non, bah après c'est peut-être d'être plus loin. Attends, est-ce que du coup, viens voir. Celle-là, t'as essayé, là, c'est non Ghostouza, là. Bah, ça a l'air ouvert ici. Ouais, bah oui. Excuse-moi, je monte, hein, j'en profite, je fais un tour. Je vois si je crois qu'il fait le tour du proprio, je Ok, t'en prie. Si je retomberai sur, le... okay, sur la place centrale. Sur le marché. Ouais, on retombe sur le marché. Oh, c'est joli comme tout. Alors, ça me fait presque chier de me balader. Tiens, je vais me balader avec la clé tendue parce que sinon. Non, je perds un peu de l'intérêt du truc, quoi. Non, je pense pas. Non. 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 T'as essayé ici, là ? Non, ça veut pas. Il y en a une ici, là, cachée, là, sur la gauche. Ouais, mais j'y suis allé aussi, ouais, les deux, aucune des deux. Ah, ok, deux. Pardon, je ah, savais ouais, pas. Non, j'ai fait toutes les peurs de la place. Attends, j'ai pas regardé, lui. Non. J'ai regardé même la trappe au sol, au cas où. Mm-hmm. Non plus. Avec une clé, je pense pas qu'il fallait l'amener aussi loin la clé. Ah, il y a un journal ici à lire. Une vie rêvée de pirate par Hugo Pérez, 6 ans 3 quarts. Ma mère passe son temps à maudire les pirates, elle dit que ce sont des hommes mauvais et sans âme. Je ne crois pas que ce soit vrai, je pense juste qu'ils n'apprécient pas les règles et aiment s'amuser. Je crois que j'aimerais bien être pirate. Si je faisais partie de la Ligue Pirate, je pourrais partir à l'aventure et trouver des trésors enfouis. Et aussi aller au lit seulement quand j'en ai envie. J'ai passé beaucoup de temps à m'entraîner à enterrer des trésors. J'ai même écrit une énigme en rime pour une carte, parce que toutes les cartes au trésor doivent rimer. Derrière un jardin, vous trouverez un X sur le butin. Il est difficile à trouver. Est-ce que ça rime ? Voilà. On a peut-être une croix dans un jardin à trouver. La taverne. Faut faire du parcours. Je suis dubitatif. Il commence à y avoir de l'habitant par ici. C'est beau. C'est classe, c'est cool. Hein. Je vais profiter un peu. C'est bon, j'ai trouvé. T'es où ? Le pont. Ok. Ici, ça ouvre là. Y'a rien à dire. Bon, y'a voir. Là, une caisse. Juste utiliser à ouvrir et fermer une caisse. Cela servira peut-être plus tard, ultérieurement, peut-être. Hmm. Un tableau qui bouge, rien. Ah, t'as allumé une torche, bien vu. Ah, lire la note sur le mur. Maudit pirate, leur chant résonne.
Ah, mais ça casse, s'il te plaît, merci. Maudits pirates, leurs chants résonnent dans notre ville tandis qu'ils emportent nos possessions dans ces cavernes, dans cette caverne qu'ils appellent leur repère. Ils attendent leur capitaine. Je ne suis pas un marin, mais je tremble devant son nom, Barbossa. Sous peu, son vaisseau, le Wicked Wench, frappera à nos portes. J'ai foi en Carlos, il saura protéger notre trésorerie, et sa femme saura le protéger lui. Par contre, j'ai peur pour l'argent que nous avons sur nous. Lorsque ces horreurs seront distraites par leurs enchères, allumez la lampe à notre fenêtre et rejoignez-moi au quai. Nous trouverons un endroit sûr, vous, moi et notre or. Je crois savoir où c'est, je crois que c'est par là où je suis arrivé. Sur le quai, regarde à droite là. Tac, tac, tac. C'est ici, c'est ça, les deux torches sont allumées. C'est ici. Ah, c'est aménagé. Viens voir, c'est rigolo. Ah ouais. Regarde, t'as vu comment c'est aménagé? C'est aménagé comme des accès à la barque à Disney. Tu vois, c'est aménagé. Ouais. Avec les petites cales et tout, c'est rigolo. Allez, c'est moi qui dois conduire. Hein? Je sais pas moi. C'est toi qui me le dis. Hein. Regarde, celui-là, ils sont devant. Tu les vois? Bah ouais, je sais, mais c'est un peu compliqué de conduire une barque. Hein. Mais je suis même pas sûr qu'il faut... Parce que je pouvais pas accéder au coffre tout à l'heure. Est-ce que c'est dans le coffre? Oh, le coffre, il y a des trucs dans le coffre. Mais c'est pas très intéressant. Intéressant pour moi. Voilà, mais moi je joue à l'attraction là. Là c'est... Là j'étais à l'eau, j'ai fait exprès. Faut que t'ailles ouvrir. Je viens. Non mais j'arrive. Le gars est déjà parti quoi. Oh bah voilà, le mec est déjà parti. Mais on n'a pas exploré le reste hein. Genre là on trace tout droit, on ignore le reste. Mais on suit ce que t'as. On suit le truc annexe en fait là. Non, regarde. Regarde ce squelette là à gauche. Bien des villageois nécessaires. Je pense que ça c'est la fin en fait. Je sais pas. Parce que moi je suis pas allé jusque là. Ce bout de partie là je le connais pas. Ah t'as pas au fait pire, ça. Donc ça a l'air optionnel tu dis. Je pense. Oh. Au pire la barque. On la laisse là, on va chercher le bien et on reviendra à la nage. Ok bon je peux pas sauter. C'est du décor. Ok c'est du décor. Là il y a un coffre ici là. Il y a un coffre sous l'eau. Ouais, mais on peut pas le récupérer. Oh dommage. Ah ouais. Est-ce qu'on peut remonter ici? Yes, on peut remonter là. Moi je vois qu'on peut aller à gauche. Je suis parti à gauche. Je sais pas ce qu'il y a, mais... Il y a R. Mais au moins maintenant on en est sûr. Bon vas-y viens, je crois que le truc principal c'est par là. Taper encore à gauche. La parce boussole. Il y a aussi le. On n'a pas remonté le fleuve en fait, on n'a pas remonté le canal si tu veux. Du coup je remonte le canal aussi au cas où. Au cas c'est grillagé. Ah c'est grillagé mais il y a un truc sur le grillage. C'est juste une vulgaire corde qui fait partie du décor, très bien. Bah je sais mais comment est-ce qu'on fait pour passer déjà par là? Toi t'as dû arriver par là. Il y a bien avant ce bâtard. T'es arrivé au niveau des grilles du Tosha ou pas? Ouais moi je suis sur les remparts là, lève les yeux. Ah oui, ok. Donc en gros j'ai la statue juste à mes pieds. Enfin la statue j'ai le... Ah, comment ça s'appelle déjà? J'ai la barque avec le cadavre là. J'ai la boussole qui a l'air de nous dire que c'est derrière ces remparts.
Ah, je sais, mais je sais plus comment on fait pour les ouvrir. Ah, mais voilà, c'est par là que t'étais, toi, tu t'étais enfui, c'est ça? Non. Enfin, que t'avais fait ton... Oui, oui. Et du coup, là, ici, il faut jouer avec les poulies, là, faut monter... Du coup, est-ce qu'on retournerait pas à la barque? Parce que si, vu que là, on sait que c'est la suite, et qu'on n'a rien raté d'autre pour l'instant, retournons à la barque, qui est juste en bas, on a juste à faire plouf. Et je me dis que peut-être qu'au bout de la galerie, on va trouver le bien du squelette à lui remettre. Qu'est-ce que t'en penses? Vas-y. Avec très probablement le crâne aussi de son compagnon. Je suis pas sûr, mais il y a moyen. Parce que je crois qu'il a plus de crâne l'autre. Ah, il a pas l'air d'être frais, très très frais. C'est bon, le pilote est là. Vas-y, YouTube t'observe. YouTube apprécie la façon dont le rat se déplace dans son milieu naturel qu'on appelle les égouts. Oula. Il y avait un truc là, je pense. Arrête-toi, je vais checker vite fait. Il y avait un truc qui brille un peu trop au milieu des cochons. Non? Putain, c'est vraiment la banane qui luisait comme ça. C'est dans mes veines. Il s'est barré. Non. Bon. En tout cas, très bel aqueduc. Ah, t'es salaud de l'avoir fait sans moi. YouTube te jugera pour ça. Aide-moi à creuser là. Bah, c'est ce que je fais. Mais c'est lui, casse-toi. J'étais déjà ouais, comme ça. Livrer le bien aux paysans. Mais. Le pirate de la chaloupe, il a fait. Des trésors pour l'éternité. Voilà. On a fait un bon geste. Et il tente plus le bateau. Ah, ça y est, il retourne enfin. De galérer mon poulet. Ah ouais, c'est horrible. Pourtant, je vais pas vite. Hein. Mais il y a des fois, il veut tourner, des fois, il veut pas. Voilà. Allez, on a fait l'objectif secondaire. Let's go faire l'objectif primaire. Faut rester là ou faut continuer? Moi j'ai envie de m'auto-troll, mais je pense que c'est du... On va pas faire ça. Ah, après, faut aller à ta forteresse, grimper sur des remparts, faire des trucs et des machins, quoi. Ah ok, d'accord. Ah, tu sais, les trucs que tu sais faire, quoi. Hein? De quoi tu parles? Voler, tuer, piller, violer, trahir, trahir les amitiés, surtout. Ah, ça c'est pas vrai. Les menteurs. Je ne peux pas te laisser dire ça. Bon. Bon, laisse-moi monter s'il te plaît. Ah, t'es en train de me dire que... Voilà, merci. Oh, il y aurait pas un petit jeu de palancage là plutôt? Il y a un petit jeu de palancage là, hein.
Il y a du parcours à faire si tu veux. Ah bah t'es déjà dessus. Bah sauf que non. Là faut être deux pour faire cette fable ou quoi? Non. Bah. Tu peux plus ou moins le faire tout seul. Bah non, comment je fais pour relancer ma poulie? Non, parce qu'en gros celui-là, quand tu le mets à peu près par ici. Ah et comme tu ressautes, ok. Ah oui, quand t'es solo, tu ok. Sur celui-là. Ensuite celle-là, tu le... Hop, 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 remonte, l'autre côté. Et du coup je le ramène ici. Ouais voilà, c'est ça. Un peu long, non? Si, c'est bon. Non, non, c'est bon. Ok. Ensuite tu viens à celle-là. Quand tu montes à gauche. À celle-là pour lever ce qu'il y a derrière toi, là. Et après, bah, tu sautes. C'est raté, ça. Hein. Ah, je crois bien, Jack. À moins que t'arrives. J'ai l'impression que le jeu, je l'ai contrarié, là. Bon, bah, suicide collectif. Avec moi-même. Suicide en fit avec moi-même. Alors du coup faut que je la ramène à nouveau. Hein. Là je suis en l'axe. Mais merde. Mais là, je suis en ligne. Putain, j'ai l'impression d'être un rat qui galère à arriver au sommet de la forteresse pour allumer un phare. Vraiment. Un peu, hein. Un peu, hein. Un petit pneu, quoi. C'est bon, ça. Oh, c'était loin. Hein. Oh, putain. Hey, YouTube. Tu adores les poulets, YouTube, hein. Piaille, en plus de la chanson des pirates, le spam. La spam attaque. Parce que moi, dis-toi, je t'attends, hein, j'avance pas. Oh, je ressens. Ouais, que je te régale à me regarder tomber en boucle. Exactement. C'est quoi, moi aussi, je crois que je vais télécharger au... Je crois que moi aussi, je vais télécharger OBS et. Je vais enregistrer des parties comme ça, on aura mon point de vue aussi, on fera des montages et tout. Wow. YouTube va se fâcher si tu fais des montages, hein. Ils sont pas habitués, les mecs, hein. Genre, les vidéos qui vont vite, ni de backup, tout ça, ils sont pas habitués, les gars. Hein. Fais gaffe, hein. Ils sont peut-être pas prêts, hein. Eh, on n'est pas descendu dans la cour. Ça me perturbe. Et du coup, est-ce qu'on va pouvoir remonter? Oui, oui, bah il y a l'escalier juste sur la gauche là. As-tu vu? C'est pour ça que ça me perturbe. Mais à première vue, il y a R. Donc. Ouais, il y a R. Allons-y. T'es sûr de ton coup là? Bah ça avait l'air. Hein. Par contre, j'ai trouvé un souterrain. Avec un fantôme de Jacques Séparou. Ouais, faut le suivre. Alors attends, avant de le suivre, je vais remonter un peu parce qu'il y avait. Il y avait aussi une possibilité d'exploration là où t'avais ton palancage là qui nous permettait d'aller ici. Est-ce qu'il y a quelque chose ici d'intéressant? Rien du tout. On peut y aller, mais c'est tout. Tout ça pour ça. Oh, ouais. Au moins, on aura tout exploré, y a pas de regret. Hein. Si on n'explore pas, on trouve pas. Hein. Là, grâce à moi, t'as la caisse à butin que t'avais pas avant. C'est les vraies voies de l'attraction. Ah, c'est vous qui suivez le chien. C'est très bien. Ah. Il faut regarder où on met les pieds. Ah,
Hop, la clé de la prison. Elle était dans la gamelle du guinche. Ouais, je t'ai laissé la prendre. Okay. Donc on descend. On s'ouvre une porte. Est-ce qu'on leur ouvrirait pas? La clé de la liberté. Je suis un mec sympa. Je leur ai ouvert. Par contre, après, je sais pas où on doit aller. C'était juste pour leur ouvrir à eux? Ouais, non, viens là, ici. Demi-tour. Bonjour. Ah, il y avait un escalier ici. Ah oui, c'est vrai, c'est ça. Il faut que tu ouvres, monsieur. Quoi? On est censé circuler comment, ton mince? On est censé aller où, là, avec ton mince? Attends, c'est lequel celui-là? C'est celui sur lequel je suis. Je pense qu'il faut que tu le mettes là. Hein. Alors attends, je vais te confirmer si c'est bon. Ça a l'air d'être bon en termes de distance. Hein. Ah ouais, normalement t'as un truc à récupérer ici. Il y a un chemin surtout. Les décors sont ouf. Je trouve ça trop cool. Boussole, hein, comme d'hab. Il est là. On a dit boussole, pas lanterne. Jack sait par où, ma boussole, elle te l'a montré. Hein. Enfin, ma... T'as la clé? Non. Mais j'ai la poulie. Qui permet de mener au seau, où le monsieur a jeté la clé. Et tout ça, grâce à ma super boussole qu'on appelle une lanterne. Toast to piracy and its many shiny rewards. I am going to accept this magnificent treasure as my reward for a life of villainy, larceny, skullduggery, and persnickety. Nee. Drink up, me heart is your ho. Il a dit buvons un coup. Hein? Il veut que je boive un coup? Let's go. Allez, viens à ta droite. Non, c'est bon, calme-toi. Eh, viens voir. Un trône doré, assis-toi. Y'a un trésor à aller chercher? Oui, mais assis-toi, y'a un trône doré. Ah oui, y'a une carte, en effet. Par contre, ça tangue un peu pour moi. Hein. Alors, okay. Du coup, de là où on est. C'est la carte du gosse. On dirait, hein. Ça doit être la carte du gosse, ça. Mais normalement, il avait une énigme. Pas une carte dessinée. Enfin, je vais commencer à crapahuter parce que rester statique en étant bourré, c'est particulièrement désagréable. Mais l'endroit est superbe, hein, vraiment. Ah, oh, franchement, c'est, y a rien à dire. C'est super beau, c'est super bien fait. Ah, on va se battre, hein. Derrière toi. Comment ça, surrender? Never. Pour vous.
Bonsoir. Ah, bonsoir Alphonse. Dis bonsoir à YouTube. Bonsoir YouTube. YouTube aimerait savoir comment tu vas. Là, tout de suite, maintenant. Parce qu'on est en, direct sur YouTube, évidemment. Vous, YouTube, ça va ? Écrivez-le en commentaire. Eh, regarde, lire le journal. Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir tenir. Chaque fois que j'entends crier dans la rue ou une cloche sonner, j'ai le cœur au bord des lèvres. Savoir que des pirates comme Barbossa, Capitaine Red ou Jack Separou sont si proches, c'est terrifiant. Il ne se passe pas un moment dans la journée sans que je ne pense à l'inévitable attaque. L'attente est insupportable. Beaucoup ont fui, mais je n'ai pas d'argent pour le passeur. Et même si c'était le cas, où irais-je ? Cette île est mon foyer, et que Dieu me vienne en aide, je ne veux pas qu'elle devienne ma tombe. Inévitablement, si c'est l'endroit où tu vis toute ta vie, ça finit par devenir ta tombe. Il est comme un paysan celui-là. Bon, sur ce, bonne aventure. Ah bon. Je vous laisse couler des bateaux en bois, je vais m'occuper des bateaux en métal. Nous, c'est des bateaux. C'est des bateaux en spectral. T'es passé où ? J'ai sauté. Ah ! Il y a des gens qui m'attaquent. Ils sont pas très palpables. Ah, pas trop, hein. Et ils piquent un peu, hein. Ah, pour du pas palpable, ça fait mal, hein. C'est un peu comme les impôts, hein. Je les vois jamais, mais. C'est mal, hein. Ouais. Ça me perturbe l'histoire du livre du gosse là. Derrière toi. Derrière toi aussi. Bah écoute. Ceci est un mur spectral. Je vais essayer de. Progresser pour éviter les specs, mais visiblement il faut qu'on se les termine tous. Ouais, il y a un capitaine encore. Arrête de gesticuler comme ça. C'est bien. Arrêtez de gesticuler comme ça. Spécial. Tarre-toi. Mais je ramassais de la thune. Tu comprends, je t'ai... Voilà. Je sais même pas si la thune que je ramasse, elle est comptabilisée, parce que je la vois même pas apparaître. Non, c'est des trucs spéciaux, je crois. Ah, c'est des munitions. C'est même pas des bourses, putain, c'est des munitions. Non, c'est de l'autre côté qu'il faut aller. Oui, mais de l'autre côté, oui, c'était fermé. Mais normalement, ça doit être ouvert maintenant. Attends, je vais voir si je peux pas manger un fruit ou deux là, quand même, parce qu'on est pas très frais. Ah, mais non ! Il y en a encore ? Non, c'est fermé. Bah, Black Dog ? Si, c'est ouvert. Bah, tu viens de battre ou quoi ? Non, je suis là, je suis là. J'ai un peu peur, hein. Mais je suis là. Je te vois pas. Si, je suis là. T'inquiète. Ah, c'est encore moi qui fais le pigeon, c'est ça ? Ouais, tout à fait, ouais. Bah tiens, apparemment ils ont envie d'aller te voir. Salope. J'en ai une. Elle était pas très gentille. Oh, qui s'est TP encore là ? Ah, t'es là. Rien du tout, arrête de fumer. Mais. J'ai réussi. Non, les balles, ça leur fait rien, c'est qu'au corps à corps. Non, c'est pas ça, c'est juste que je tirais à côté, c'est tout. Mais si, ça touche. Ça fait du dégât, hein, c'est officiel. Hein. Ah ouais ? Ouais. Y'a pas, okay. Pas de tout ça à se faire. T'as bien l'impact du truc et tout. Nous avons vaincu un braillard des falaises. Des bourses munitions, c'est ça. Hop, boussole. Tu vas où ? Bah, je suis la boussole. On va faire ça. Pas avant d'avoir atteint le quai.
On va pas chercher le trésor du gamin là? Ah, moi j'aimerais bien, mais je sais pas où il est. Hein. Je prends des marches. Hein, je me balade, j'essaie. Oh, des boulets de canon. Oh, il y a des choses ici. Je vais faire un petit aller-retour bateau, ça, je reconnais ça. Hop. J'explore. Ouais, hein. Il a bien avancé notre bateau. J'explore, mais le jardin du gosse, on le trouvera jamais, hein, puisque. Parce que pour ça, il fallait trouver un jardin. Et le seul jardin que j'ai vu, c'est une petite. C'est une petite courette quand on est sorti. J'ai fait un tour vite fait dedans. Il y avait que des feuilles. Il n'y avait pas l'air d'y avoir un truc au sol. Après, j'ai pas essayé de creuser. Bah, est-ce que tu te souviens où est-ce que c'est? Bah, il faut remonter, mais ouais, on va. Attends, je sais même plus si c'est accessible. Autant essayer de le trouver. Ah, mais je sais même plus si c'est accessible maintenant. Pourquoi ce serait plus accessible vu qu'on a accès plus ou moins un peu à tout? Bah écoute, parce que ça s'est fermé. Ok. À moins que ce soit là, dans le feuillage, mais tu vois, c'était un truc comme ça, très feuillu, donc je sais pas. Bah roulons, hein. C'est peut-être qu'un comme l'autre qui voulait pas que ça devienne sa tombe, c'était peut-être qu'un joli petit message mignonnet. Tu penses? Ah, c'est ce que je me dis, hein. Sinon je vais devenir fou et je vais venir pour recommencer cette fable juste pour ça, en fait. Ce qui peut-être finira par arriver. Pas se mentir. Hop. Normalement, tu devrais avoir un peu de lumière, j'ai pensé à toi. J'ai mis un peu d'éclairage. Aziz! Lumière. C'est beau. Sors la voile! Ah oui. Je sortais une boussole, mais bon. Soit. Non, ça va pas m'aider grand chose, ta boussole là. D'accord. Dans ces cas, je te dis pas quelle direction il faut prendre. Parce que qu'on voit bien que c'est pas si évident que ça. J'avoue, c'est trop compliqué. Bah, il faut que tu suives les vents, le vent et les deux torches, quoi, en fait. Ouh. Mais faut ni taper dans celle de gauche, ni taper dans celle de droite. Faut taper au milieu. Enfin, tu vois le bateau de fumée, en fait, c'est ça qu'il faut suivre, quoi. C'est vraiment pas évident. Tu vois, sans mon aide, t'aurais jamais trouvé. J'avoue, au point où il faut être débilus, il y a un bateau fantôme, de grosses torches vertes, le vent qui est dans la bonne direction. Et c'est le seul espace qui est dans lequel tu peux t'engouffrer, quoi. Est-ce que ce bateau est palpable? Alors c'est un peu plus à gauche, si jamais. Ah mais non, moi justement, je vais foncer dedans. Parce que sinon on va devoir se battre. Eh bien, et du coup, j'ai bien peur de te dire que visiblement il va falloir te battre. Non. Ah. Non, David, c'est Jones. Monsieur Jones. Je veux voir la baston. La même. Bon voilà. C'était méga bien, YouTube a dit. Boussole. Ah, je croyais qu'elle ne servait à rien. Droit devant. Alors, un poil à gauche. Vers la lanterne, en fait. Là, en gros, il te demande de foncer plus ou moins sur la lanterne. Stop. Parfait.
qu'il y a des vagues un peu chelou devant. Il y a un bateau qui vient d'apparaître. T'es prêt à te battre? Sûrement pas. Et je suppose que toi tu l'es. Oh, je suis allé voir. Hein. Oh, j'ai pas vu celui-là. Ah, c'est vraiment pour nous là? Non, c'est pas pour nous. Oui, il tire avec ses canons avant. Nous, notre direction est plus à droite. Il est sur le bateau de droite. On suit le navire de Barbossa, monsieur. Oh là. Désolé, j'étais dans mes... Ah, nouvelle direction, mets-toi droit. Parfait. Mais alors, parfait. Peut-être un poil plus à gauche. Est-ce que tu vois le ressac de la mer? Voilà. Ouais, 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 je suis légèrement décalé par rapport à lui, mais je vois. Ouais, demain, faut que je parte à 6h30. Ouais, la même. One by one, tentacles wrap around my ship. Tu lui fais penser de la crew watches the others as I stare into the crackers. The lovely Elizabeth weeping for the life we'll never share. And young Sir brought to his knees by my heroic display of self-sacrifice. Abandoned ship. Abandoned ship or abandoned. Hello, Miss. I whisper with such determination that the Kraken itself understands exactly what's happening. I suppose I could have been that it slithered back into the depths, had it not scuffed the paint of my precious Black Pearl. Et donc on sait comment le Black Pearl a fini au fond de la mer. Our debt is settled. Ah, et sa dette est réglée. T'as pas trop besoin que je te dise où aller, hein. Ça devrait aller. Now, this is what happened next. That's the tale to be told by a man whose thirst has been quenched. Exactement. J'anticipe ce que tu vas dire, je suis dans ta tête. Donc tu sais que je vais te demander de rectifier légèrement sur la droite. Besoin d'un voiliste. Qu'on appelle un gabier. La voile est rentrée. Je me voyais plus près. Alors, faisons le tour de ce quai déjà. Les boulets, ça on adore. Rien sur ce quai. L'autre côté du quai. Il y a de la planchasse. Pas mal de planchasse. The living may not enter this hallowed haven of the honored dead. Be gone! I said be gone! Ye scurvy! Wait! I remember ye now! It's me, your old shipmate from the lighthouse! Many a month since I've set eye sockets on ye, mate. Once more, for me, time flows differently here.
Qu'est-ce que j'allais dire? Bon, faut quand même faire les, la fable. Hein. But now, I guard this here threshold. Normally, flesh and blood types be forbidden. But I reckon I owe you a debt. In ye go. But try and keep out of trouble. It's all right. Bear with me. Don't tell me. You're here to rescue me. Considering the success of your previous efforts, or lack thereof, pardon me if I decline your assistance forthwith. Besides, I'm not presently in need of rescue. This is the first place I've found here where everyone appreciates my uniqueness. And no one's tried to lock me up. So, pull up a chair, grab a glass, because I have an eternity of stories to tell. Oi, you have my compass. But I left that back on you. Oh, so you've found the pearl, eh? Well, don't think that's going to drag me out of here. From what I hear, this so-called Sea of Thieves is nothing but cursed crews, the blasted trading companies, and antisocial skeletons. Oh yes, and now one Davy Jones. I've done searching already, Savvy. There's nothing there for me. I'm afraid you're wrong, Jack Sparrow. That's Captain Jack Sparrow, mate. No, I don't think so. A captain doesn't abandon his ship or his crew. And just whose moustache do I have the dubious pleasure of addressing? Sir Arthur Pendragon, captain of the Black Witch. It was pirates like this that helped me when I lost my crew, and my hope along with them. They reminded me that our Sea of Thieves is a special place. A place where you can be a pirate and a good man. A place where anything's possible. Even falling in love with this idiot. Where we're stronger together. Somewhere worth fighting for. A place where we need nothing more than the open waves and a ship beneath our feet. A place we can be free. What a ship is freedom. Well, now that you're all finished, I'll be taking my compass back. If you'd be so kind. I want most. Honey, seems to be pointing outside. Wait! For luck. Not sure I deserve that. Je pense qu'on peut bouger. Non, je suis en train de parler au tavernier. Donc il s'appelle Teddy. Ah oui, puisqu'il est tavernier. Ok. Sea of Thieves, eh? Bring me that horizon. Eh bien, cap sur l'horizon. Oh non! Not a bad little ship. Though she does seem a bit light on essentials, mate. Hammocks, pillows, my own personal cabin. Never mind. Let us return to the land of the living. Oh, tu pouvais rester, hein. Des choses plus importantes à faire. Tenir ma lanterne. Très haut. Comme ceci. Pourquoi est-ce que je conduis bien? Tout à fait.
Pour un rat, c'est parfait. Ah bah, dans son milieu naturel, frérot. On peut que bien conduire. Non. Naviguer. Un peu les yeux. Quand t'as la proue du navire, t'as un peu les yeux éclatés à la fin. Bon, alors faut peut-être pas jouer de nuit. Ce serait étrange. T'as vu ce qu'il y a à Trevor? Ah. Tout de suite des galions, quoi. Ah, c'est bon, on a compris qu'il était petit notre bateau. Puis à bâbord aussi. Babor. This will make for an excellent story. Some folks may even believe it. Avec le soleil et tout, c'est tellement beau. Le clear. Mais en enlevant tous ces gens-là, tu vois, juste la fin, les graphismes. Je suis d'accord. Hein. En enlevant aussi. Tous ces gens-là. Ouais, en enlevant tous ces gens-là. Bon, bah écoute, on est pas mal. J'avoue, on fera une autre fable demain. Et parti. Troisième fable terminée. Fin de l'histoire. Capitaine des damnés. Succès déverrouillé. Et ben voilà. Facile. Une petite roulette. Du coup, feu d'artifice. Je vais faire une boule rouge dans le ciel en plus, quoi. Dis pas de bêtises. Et c'est ça. Les gros urbains. Bon bah terminé hein. Du coup on on a pas un loot à ramener, on a rien. Nous n'avons rien gagné. Notre vie est une déception. Bah non, si, on a ramené quelque chose. Quoi donc? Du lore.
Ah, c'est vrai. Oh, mais ils ont même changé le nom des animaux. Insupportable. Voilà. Tu vois, voilà. Ça sert à rien de charger le bateau comme un mulet, on s'en sert pas. Qu'est-ce que tu voulais que je te dise? Je pouvais pas prévoir qu'on allait nous mettre à l'envers. YouTube, tu étais mort. Je l'ai dit. Et du coup, je sais même pas où on va. Bah là, écoute, je suis mon itinéraire. Je vais à un avant-poste pour voir si j'ai la suite des fables. Ah bah normalement oui. Oui, banane ça s'écrit avec un B, mais normalement ça s'écrit avec un M. Que va ? Banane. Tu l'écris bien avec un B. Ouais. Mais normalement ça s'écrit avec un N. Pas la lumière à tous les étages là. Si si. Je sais ce que je dis. D'accord. Intéressant. Non, pas du tout. Un banjo. Perroquet clair de lune. Très bien. Parfait. Un seau. Un seau, je peux dire. Voilà, un vieux truc comme ça, c'est très bien. Une boussole. Ah, il nous faut quelque chose d'esthétique. La boussole brumeuse. C'est esthétique, mais... c'est un peu flou. La dragon cendré. C'est esthétique et ça pète. Ou... la boussole légendaire. Restons un peu dorés. Un accordéon. Ah, prenons celui du White Rose. Toujours convivial. C'est l'amour. Évidemment. Un tambour. Qui m'a collé ce perroquet ici là? On va prendre le tambour des profondeurs. Ça t'embrasse. La canne à pêche de Guy. Ah, c'est mignon. Admettons. Une vielle. Celle du mercenaire, bien sûr. Évidemment. Il n'y a pas d'autre choix à faire. Quoique la roue du désosseur. Voilà, bonne vieille vielle du désosseur. Mais bon. Une lanterne. Lanterne des âmes notoires. Il y a quelque chose quand même dans cette lanterne. Là, on pourrait se prendre un vieux bout de ferraille. La lanterne du Kraken accomplie. Est-ce qu'il a seulement accompli quelque chose lui dans sa vie? Il ne sert à rien. À nous désosser à chaque fois quand on joue tous les deux. La lanterne des... oh, j'ai jamais essayé. Très joli. On prend ça. Oh, très très joli, j'aime beaucoup. Une boussole, une montre à gousset, que dis-je. Une montre à gousset, du perroquet. C'est lent. Une pelle. Alors, une pelle, il nous faut une bonne pelle pour creuser. Une pelle du kraken? Une pelle du dragon, peut-être. Une pelle qui en dit long. Une pelle de mercenaire, beaucoup trop chic pour creuser la terre. Une pelle de désosseur. Ah, un peu vieux, un peu rouillé. Celle du baron, peut-être. Ah non, l'appel du chasseur, elle creuse bien. Un bon empoint. Un bout bien pointu. Et porte-voix de désosseur. Téméraire. Il y en a qui est moins téméraire. Porte-voix. Plaît-il ? On s'en sert jamais du porte-voix. Ah bah si tu veux, je peux m'en servir tout le temps pour te faire extrêmement plaisir. C'est bon, ça va aller. Bonsoir. Bonsoir. Dites bonsoir, bonsoir YouTube. Bonsoir YouTube. Excellent. YouTube te remercie. Te dis bonsoir également. La longue vue du mercenaire. Ah alors pour non, la longue vue évidemment, il nous faut une vieille bouteille. On a ça nous normalement. Alors comme ça ça joue à la piraterie. Exactement. Bah ouais. Et ça invite même pas. Ah. Bah non. Voilà, bah quand vous jouez à la piraterie, vous m'invitez. Bah voilà. Parce que t'es jamais là. YouTube est témoin de ta trahison. La chope du trèfle.
Allez, santé. Oh, la chope de Merrick. Encore, je suis pas un pirate légendaire, moi. Mais... Bah, moi non plus. Ah ouais, oh, j'aurais pensé. Non, non, je suis juste ultra légendaire, c'est tout. Alors, là, j'ai besoin d'un avis de professionnel, monsieur. Monsieur, il est où ? Est-ce que cette chope-là... Ou bien... Ouais. Alors, on sort du style shop, hein. Mais franchement, ça a du style. Eh, je crois que j'ai vu ton cousin en bas, dans la cale. Non, c'était mon... C'était mon frère. D'accord. Vous êtes des gens bizarres. Ou bien, cette shop-ci. Ah, celle-là. Celle-là ? Ah bah ouais. À juger. C'est une corne. Mais pas de brume. Excellent. Tu peux lever les voiles ? Ah bien sûr. S'il te plaît ? Il me semble qu'on arrive peut-être un poil vite. Non. Oh, ça va taper. Pas droit, allez. Hop, ouais, j'ai rangé le bateau. Ça a tapé. C'est bon, j'ai plus besoin de lire ces livres là. Ça m'a énervé. Hein. Ça me vénère. Et donc, ce que nous voulions voir, c'était concernant cette plage. Si tu avais accès à la 1, 2, 3, 4ème fable. Les frères de l'ombre. J'ai en effet accès aux frères de l'ombre. Tu y as accès aussi ? Ouais. Incroyable. Et évidemment, tu as les seigneurs de la mer qui est verrouillé. Ouais. Excellent. Et donc là, nous avons fait les capitaines des damnés. Naufrage du peur, évidemment. Et vive la piraterie. Bon bah excellent. Bon bah des bisous YouTube. Bisous YouTube. On se retrouvera pour du coup les frères de l'ombre. Voilà. Des bisous.